c'est une fierté, ça récompense le travail qu'on a préparé avant pendant des mois. Il fallait faire une pièce artistique en avance, il fallait faire une pièce commerciale aussi, plusieurs types de bonbons et voilà, tout ça dans un temps donné de 5 heures. Le plus dur, c'était de trouver les... Il y avait des produits qu'on ne connaissait pas, donc il fallait rechercher, puis après les travailler pour que ce soit parfait. Et après, le plus dur aussi, c'était avec la Covid, parce qu'il y a eu plusieurs reports, donc il fallait recommencer, à chaque fois retravailler la pièce, la refaire, parce que ça a été reporté plusieurs fois, donc il fallait refaire tout à chaque fois. Ça devait se dérouler à Toulouse à la base, mais comme j'étais tout seul, ils ont décidé de le faire ici. Depuis tout petit, moi, la pâtisserie, ça me plaît, donc j'ai commencé par un CAP en pâtisserie. Après, j'ai fait un CAP, j'ai découvert le chocolat. Le CAP pâtisserie, je l'ai fait chez Monsieur Gauguin à Pressigné. Après, j'ai découvert le chocolat, donc j'ai cherché des entreprises. Comme il n'y a pas beaucoup, je suis venu sur Le Mans. Donc, je suis venu ici l'année dernière, j'ai fait mon CAP en chocolaterie en un an. Et là, je suis en BTM en chocolaterie au même endroit en première année.